Alors je suis passé à l'écriture du polar après avoir écrit le scénario du film Go Fast, qui était où je montrais la réalité du trafic de stupes vu par les policiers français, l'infiltration, qui était un peu un coup de gueule parce que je trouvais qu'on montrait les policiers français soit complètement, je dirais, Pinot simple flic, assez de manière caricaturale, ou alors des policiers assez chargés en alcool, en cocaïne, etc. Et je voulais montrer la réalité de policiers très impliqués dans leur métier et qui ont les pieds sur terre. Voilà. Et ensuite, l'écriture du scénario, c'est très contraignant parce que c'est un film, c'est 90 minutes, donc c'est 90 pages. C'est quelque chose, un squelette en acier. Et m'est venue l'idée du magicien que je ne pouvais absolument pas écrire en 45 pages, enfin 90 pages, parce que j'avais trop de choses à dire. Je voulais m'attarder sur la psychologie du personnage et de manière naturelle, je suis passé de l'écriture du scénario à l'écriture du roman. Ludovic Mistral, déjà Mistral parce que moi je viens d'Aix-en-Provence et c'est un personnage qui m'est très proche, à la fois dans son fonctionnement de policier, dans la musique qu'il écoute et dans sa relation familiale avec sa femme et ses enfants. Donc je dirais c'est mon double littéraire. C'est pour ça que dans Le Magicien, je suis assez pudique avec lui parce qu'il faut savoir se livrer. Et si je livrais trop de Mistral, j'avais l'impression de me mettre à nu, l'auteur. Et ce qui fait que c'était avec petite touche sur Mistral dans Le Magicien. Dans Le Vent Emportera, il évolue. Et dans le troisième, dans Les Sirènes Noires, il est extrêmement affirmé, où je montre son caractère et un peu le mien. Alors, Les Sirènes Noires, c'est l'histoire de la répression, la traite des êtres humains. Donc j'ai écrit ce livre après mon passage comme chef de ce service, la répression de la traite des êtres humains. Moi, j'avais été profondément marqué par la traite des femmes africaines, par la magie africaine qui les cadenasse, parce qu'elles sont envoûtées par le vaudou depuis le Nigeria. Donc tout ça, on l'a observé au Nigeria. On a vu les femmes arriver par bateau, qui parfois finissent au fond de la mer, d'où le titre, Les Sirènes Noires. Et ces pauvres femmes qui sont c'est de la marchandise, quoi. Et c'est affreux mais de mettre ces mots en parallèle, mais pourtant ce sont ceux des trafiquants. Et puis aussi, je montre les crimes rituels qui sont faits par la magie africaine, cette magie noire très, très forte, en plein Paris au XXIe siècle. Et donc cette magie noire, c'est cette façon de cadenasser les gens par une emprise, par le vaudou. Comment elle va se heurter au très cartésien Ludovic Mistral.